Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une très belle bande dessinée parue en août 2020 aux éditions Sonatine. C'est un format carré pour un très très bel objet avec 500 pages d'illustrations en noir et blanc. J'ai été marquée surtout par l'originalité et la diversité de la mise en page. 4 ans de travail. Des illustrations très fortes, où la matière est donnée par des hachures à la plume. Mais de quoi parle l'accident de chasse? C'est l'histoire de Charlie et de son père aveugle. Charlie qui le rencontre tardivement. On lui a toujours dit qu'il était devenu aveugle suite à un accident de chasse. Ils vivent dans les années 50 à Chicago. Et Charlie, dans la rue, va mal tourner. Et c'est lorsqu'un jour un policier va venir sonner à leur porte que le père de Charlie va décider de lui dire toute la vérité. Il est devenu aveugle suite à un vol qui a mal tourné. La bande dessinée est sombre, mais en même temps, elle aborde tout le pouvoir de la résilience lors des rencontres et grâce à la littérature. Une très très belle bande dessinée, très originale, qui a obtenu le Fauve d'Or à Angoulême cette année en 2021. Vous pouvez la retrouver dans la section adulte au rez-de-chaussée de la médiathèque. Bonne lecture!